Bonjour mes très chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment être invisible sur WhatsApp sur votre iPhone. Comme vous voyez ici, je suis sur mon iPhone. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment lire les messages sans être vu sur WhatsApp de votre iPhone. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander quelque chose. Aimez la vidéo, partagez-la à tous vos proches sur WhatsApp et Facebook et bien d'autres réseaux sociaux. Et si vous êtes là pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et appuyer sur toutes pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Ok, pour ce faire, comme vous voyez ici, ça, je suis sur mon Android. Et puis là, ça, c'est la personne qui me voit en ligne. Donc là, je suis en ligne. Ensuite, pour être invisible, c'est très simple. Vous aurez besoin de prendre le WhatsApp de votre iPhone. Vous allez dans Paramètres. Ensuite, là, vous allez sur Compte. OK, vous allez sur Compte. Et puis là, vous allez sur Confidentialité. Là, vous verrez Présence en ligne. OK, il y aura Présence en ligne. Vous cliquez sur Présence en ligne. Maintenant, là, vous verrez que c'est réglé par défaut sur tout le monde. Vous aurez maintenant besoin de mettre Personne. Et puis, vous fermez l'application. Et puis là, on va prendre le téléphone. Le téléphone que veut l'autre nous envoyer un message. Comme vous le voyez ici, si on m'écrit un message sur mon iPhone, ça, je vais lire le message, mais je ne serai pas en ligne. Comme vous le voyez ici, je suis invisible. Ok. Maintenant, je vous montre encore une astuce dans laquelle vous allez lire les messages sans être vu. Ok. Donc, vous aurez, supposons qu'on m'a envoyé un message. Un long message comme ça. OK. Voilà. Je veux lire ce message sans autant avoir des deux trucs bleus marqués sur le téléphone de la personne, le WhatsApp de la personne. J'aurais besoin de cliquer comme ça. Et puis là, dès lors que vous venez sur votre WhatsApp, vous maintenez sur le message comme ça. Et puis là, vous verrez le message que la personne a envoyé. OK? Vous verrez le message. Mais chez la personne, ça ne va pas marquer que vous avez lu le message. Comme vous voyez, j'ai bel et bien lu le message. Comment être visible sur WhatsApp iPhone. Le message WhatsApp sans être vu sur iPhone. Vous voyez? Mais ça ne marque pas sur la personne, chez la personne. Donc, vous aurez juste besoin de maintenir comme ça. Et puis là, vous lisez tous les messages. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine.